Et salut à tous, c'est Itogo Flat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo siège. Nous sommes contre Arcady et Moon X Down de Guild G3. J'espère qu'il y a des défenses avec Vritra. Oh nice, c'est parfait les gars, regardez, je réserve de suite. Comme ça on va pouvoir utiliser Itadori Light. J'en ai droppé 3 et je vais utiliser les 3 dans cette vidéo, c'est sûr et certain les gars. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on est parti directement avec les premières offenses. Alors, offense numéro 1, on est contre une Clara Vritra Shilling. Donc, on peut pas la clip parce que Shilling, si s'en suivent, c'est le problème. Et du coup, on va partir sur une compo T2 avec, du coup, notre Yuji Itadori Light que j'ai runé comme ceci. Donc, bien tanky, multi-tag gauche à droite. Et j'ai mis Antocrit pour tester un peu ses dégâts. On a un Rakuni en Vio Nemesis, Sandrez avec le lead de Itadori. À gauche, réduction haut, à droite, recovery skill 3. Et on a un Windy en Vio Destroy avec du multi-tag gauche à droite. Allez, c'est parti, j'ai hâte de voir les dégâts de mon Itadori. Alors, du coup, on n'a pas le premier tour, c'est normal. Alors, on va se faire CC. Itadori qui va prendre de la TV, du coup, voilà. Donc, il va pas cut, mais qui se fait pas stun. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, il a repris encore full ATB parce que bah, il a pas pris les dots. Donc, il va faire un skill 1 ici. On peut prendre le break death, par contre. Est-ce qu'on fera un skill 1 ou pas? Bah, dis, on fait un skill 2 direct. Ok, oh, ça a mis 0 dégâts. On s'est pris une retournée. Oh non, ça a flop! Mais non, mais oui, il m'a retapé 4 fois du coup. Oh non. est-ce qu'on peut 2v3 ou pas? Oh non, le flop! Non, mais ma vidéo YouTube, elle venait de commencer! Non, les gars, en vrai, il n'y a pas de succès. En vrai, on peut le faire. En vrai, on peut le faire. En vrai, je vous jure qu'on peut gagner. Oh non, catastrophe. Ok, j'aurais pas dû faire ça. Mais après, du coup, ça marche pas en fait contre... Ça marche pas en fait contre Vritra, parce que si on le tape, on se fait détruire, parce qu'on tape plein de fois. Oh non. C'est chaud là. Ok, on va faire ce sustain là, on prend quand même assez cher, on va se self S2 même si c'est pas opti. On va les taper là, on prie pas de prendre le break def. Ok, on va les taper là, en fait il a pris quand même cher, mais bon on va aller sur Clara anyway, c'est le break def en fait. Le break def plus ou moins safe. Oh oh, on va à nouveau skill 2 pour sustain, on va faire un skill 1 ici pour pas prendre le break def. Voilà, on va taper ici, on continue, hein, on n'a pas le choix. Oh non, Itadori le flop, peut-être qu'il doit être plus tanky que ça encore. Oh non, et en plus il a pas fait tant de dégâts que ça, vraiment, c'est pas fou. Hein. Oh non. On va taper là, faut qu'on tue ça, il faut qu'on proc encore je pense, hein, un million de fois. Le problème c'est qu'il me vole mes buffs, son foiré. Ok, résistance. Je vais donner le tour ici pour pas qu'elle refasse son spell et du coup on va tuer directement là. Oh, ça, c'est un super proc pour reprendre son tour le plus vite possible. Oh, nice. On va les taper là. On va proc le shield en même temps ici pour le protéger. Alors, le protéger, on en parlait. On va les taper là. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais je pense que si on tue ça, normalement, on devrait gérer. Eh bien, normalement, on devrait gérer. Ok. Je vais me protéger. Je vais faire ça du coup. Ah, bah, je proc violent. J'allais dire monsieur Sen. Bon, on a 2v3 les gars. Bon, bah Itadori, 100% de win rate, hein, les gars. En offense, OP. Vraiment OP. Bon, offense numéro 2. En vrai, de vrai, peut-être que contre ça, il y a moyen que ça fonctionne un petit peu mieux. Du coup, on va le tester parce que ce mob-là, il stun. On a Siri qui peut être en d'espère. Donc, je me dis que là, par contre, on est sur un truc qui peut fonctionner. Et on se fera pas one-shot à l'open, normalement. Donc, Itadori, c'est le même runage. Multi à gauche à droite, on reste sur le même build. Rakuni, pareil, même réduction. Et recovery skill 3. Et Windy, pareil, multi en Vio Destroy. Voilà. Allez, c'est parti, s'il te plaît, me déçois pas une deuxième fois. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas skill up. Évidemment, j'ai pas de quoi skill up tous ces mobs. Allez, vas-y, on est reparti. On prend très cher. Oh. Ok, on va cut ou pas? Normalement, on prend tellement de dégâts qu'on devrait cut. Hein. Wow. Ok, oui, du coup, là, on cut et on peut aller chercher quelque chose. Wait. Alors, attends, du coup, on peut faire un skill 2 là-dessus? Attends. C'est squishy, on devrait lui faire mal, non? Il est full tank. Ou c'est nous qui n'ont pas de dégâts. Non, mais... Oh. Attends, vas-y, on lui redonne notre tour. Ok, ah, mais attends, il fait pas de dégâts. Ouais, il est full tank son truc. Attends, mais c'est un flop. Mon truc, attends, combien on met là? Ok, 3 caparites. Eh, 3 caparites. Eh, en fait, son skill 2 fait pas de dégâts. C'est son skill 3, son skill 1 qui fait mal avec le multi. Le skill 2, il fait pas de dégâts. J'ai l'impression, what the fuck. Par contre, regarde, le skill 1, il fait mal hein, avec le multi. Non, mais c'est trop grave. On prend cher, par contre, pour beaucoup de dégâts. Franchement, pour mettre le multi dessus, c'est cher payé quoi. On va refaire un skill 2 quand même. Hein.
Ok. Ok. Bon, ici ça va passer. Mais ouais, je sais pas les gars. Oh dommage, je pensais vraiment que ça allait être bien contre les Vritra et au final, bah tu vas taper le Vritra et tu vas juste te faire one shot par le Vritra quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne tech ce mob en réalité. Je pense que ce sera plutôt contre des compos qui CC tout simplement. Et on oublie la composante de contre les dots, hein, j'imagine. Ouais. Et dernier coup qui met 4k. Pas skill 2. Mais on met là. On devrait peut-être tester un build sans le taux crit, hein. Peut-être que c'est ça. Hein. On dit qu'on a le buff taux crit quand tu joues avec Venteux, on est overcapé au niveau du crit. Peut-être que c'est ça la tech aussi. Allez, troisième offense, à nouveau contre une Danu Vigueur, Siri Dark. On va tester un truc différent. On va mettre un Vritra à la place de Venteux, juste pour tester. On aura moins de cycling, ça sera peut-être moins fort. Mais bon, on veut juste tester, s'amuser un petit peu. Donc, je me dis pourquoi pas. C'est le même Yuji, même build. En vrai, du coup, on est obligé d'avoir le Tokrit, puisqu'on a plus le buff Tokrit. On a du multi à gauche à droite. Le Rakuni, c'est le même, avec une réduction haut et à droite récupération skill 3. Et le Vritra, capé en raise avec le lead d'Itadori. Et on a un petit vieux wheel, du coup, avec à gauche à droite du multi. Allez, c'est parti. Alors, on n'aura pas le premier tour. Est-ce qu'on se fait stun d'espérer des trucs? Ok, ça va focus Itadori directement. Ça met pas le break def, excellent. Ça proc violent. Et nous, on cut. Du coup, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on focus? En fait, j'ai l'impression qu'il fait pas de dégâts, là. On va aller sur le Danu. Peut-être qu'il est full dégâts. Oh, il a l'air full tank aussi, hein. On a même pas cassé le shield. On va faire un skill 2, je pense. Pouf, 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 pouf. Ouais, petit destroy. On fait un skill 2. On met des dots, du coup. Voilà. Là, il va me taper. Il va se prendre une énorme retournée. Et il meurt. Excellent. C'est marrant ça. En vrai, c'est marrant. Bon, bah, normalement, on est pas mal maintenant. Et là, on va taper hop 3k7 par hit. En vrai, avec le break def, ça tape un peu plus quand même. En vrai, de vrai, le build to crit. Je pense que le build to crit n'est pas full multit. S'il y a break def, s'il n'y a pas setup break def, peut-être que c'est mieux de jouer sans to crit. Et du coup, full multit, plus de stats. On testera la prochaine fois, du coup, parce que bah, malheureusement, j'ai plus de Itadori. J'en ai déjà utilisé 3. C'est déjà pas mal. Allez, offense numéro 4, on va repartir sur la même défense, on va partir avec une Nobara Dark. On va la tester, je pense pas que ça va fonctionner. Mais bon, pour le test, pour vous YouTube, on va le faire. À gauche, on a mis dégâts sur Light, à droite, on a mis du crit damage skill 3. Ça scale l'attaque, on est full tank, donc on va voir si on met quand même des dégâts avec le skill 3. Et on n'est pas skill up, malheureusement, j'ai skill up ma Nobara Vent, qu'on aura peut-être l'occasion de jouer tout à l'heure. On a le Rakuni, à nouveau, je reste sur un petit Rakuni Windy, avec réduction haut et à droite, recovery skill 3. Et le Windy, vous le connaissez, avec du multi à gauche, à droite. Allez, c'est parti, on va aller focus le Danu, j'imagine. Alors, on joue premier, c'est anti-cleave. Mais ça va cut. Est-ce que j'ai envie de faire le skill 2 ici? Je sais pas trop parce qu'elle va strip directement. Je crois que la tech, c'est de mettre genre un slow là-dessus. Juste. Voilà, un petit slow. Et un petit slow là-dessus. Voilà. Juste mettre des petits slows. Voilà. Juste pour diminuer un peu les dégâts. On prend le break def. Attention à ça. Ok, ça cut. Et là, tu vois, bah, j'ai pas envie de taper. Hein. Je vais juste faire un skill. Enfin, j'ai envie de rien faire. Allez, vas-y, je vais faire ça. Ok, et là, on va tester. Donc, il y a un effet d'effet. Du coup, il y a déjà les dégâts augmentés. Mais si on met le break def, ça va encore augmenter un peu plus les dégâts. Mais elle a pas fait, il a pas fait son skill 2 le vigor. Du coup, je pense que le skill 2, pour l'empêcher de mettre les buffs, ça peut être pas mal. Oh, on a mis qu'un. On n'est pas skill up, c'est peut-être ça le problème aussi. C'est quoi? On va faire skill 2 maintenant pour l'update tour. C'est pas grave. Et on va aller taper là-dessus. Bon, du coup, il prend pas skill 2 là-dessus. Oh, elle a pris des bons dégâts, mais il y a le cleanse. Ok. Et on tente les dégâts là-dessus, du coup. Tant pis. Allez, c'est parti. Petite épingle, on met le back def. Et on met un 13k. Oh! Ok, ça va, en vrai ça va, on est vraiment full tank sur le coup, donc c'est ok, j'ai envie de dire, c'est acceptable. Là on va juste faire un skill, il n'y a rien d'autre à faire. On va les taper dessus, petit skill 1 en heal, 7k, hey, ça va, hein. Franchement pour un build full tank, franchement c'est ok. Aïe, 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 on est full tank, on tank, on tank, on tank. Bah, ça par contre on va peut-être pas le tanker ça. Aïe, 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 oh il a pas de multit. Oh il restun. Oh non il proc. Oh non. Ou moi ça, on fait le 2v2. Ok, bon, c'est bon, on a fait le showcase. Dommage, on n'a pas pu tester sur Danu. Danu, il fait pas beaucoup de dégâts par contre, et il sonne tout le temps, hein. Il est embêtant. On va juste faire un skill 1. Ah bah j'ai mis click, oups. On va faire skill 2 du coup. Ok, petit problème, on va aller là-dessus. On a du destroy, donc c'est fine. Le Danu, il fait pas beaucoup de dégâts en vrai de vrai. Hein. Mais il proc violent tous les tours, du coup forcément il fait des dégâts quand même. Ok, bon, tous les mobs en face proc.
Arrête Ok, nous aussi on a droit à proc. Juste un petit skill ici. Voilà, on va continuer à taper là. Voilà. Oh, il proc. C'est automatique son proc ou genre j'ai loupé un truc là? Non mais les gars. Allô? Non mais. C'est automatique ses procs ou ça se passe comment? J'ai perdu. Bon, bah ok. Puis son truc fait pas de dégâts, mais quand ça proc à ce fois, ça marche. Hein. Allez, offense numéro 5. On est contre une Harmonia Vigor Kinky et on va tenter un petit truc comme ça. Vritra et Lucia. Et du coup, Yuji Itadori vend. On va voir un peu ses dégâts. Je les skill up, les full skill up. On l'a mis avec la build. Bah, il faudrait 50 d'autocrit. Il manque autocrit, mais c'est pas grave. Donc plutôt offensif. Mais tanky aussi, on a quand même quasiment 30 000 HP. View Will à gauche, crit damage en fonction des mauvais états. À droite, tout pareil. On a une Lucia plutôt support View Will avec pas mal d'accuracy. À gauche, réduction haut. Et à droite, on a mis un petit peu de multi-hit. Et enfin, on a le Vritra, un View Will. Bien tanky aussi avec à gauche et à droite, du multi-hit. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. Du coup, on a le premier tour. Est-ce que je fais skill 2 direct ou pas? En vrai, oui, tu sais quoi, je vais le faire. Allez. Ah bon, mais rien. C'est full sandrez, je pense. On va cible 2 tours ici à gauche. Voilà. Et nous, on va les taper manifestement plutôt ici. On peut absorber la TB, en vrai. Et puis, on ira chercher le skill 2, j'imagine. Donc, on va faire ça comme ça, on est sûr de l'app. Hop. Wicca. Et pas mal, hein. Pas mal. Alors du coup, on a pris tellement cher. On va mettre la brune ici. On va aller sustain ici parce qu'on a pris tellement cher. Et là, normalement, on devrait mettre des bons dégâts. Pouf, 2K et 17K. C'est tout? Heureusement qu'on a le proc violent. Attends, c'est pas grand-chose. Hein. Attends, mais on met pas de dégâts? What? Oh, on a mis 0 dégâts, les gars. C'est une folie. C'est chaud, là, quand même. Je vais faire ça pour tenter un gel. Pour le réussir, c'est encore mieux. On va taper là-dessus. On va juste faire un petit skill 1 là, voilà. On a un petit proc violent, on va faire un petit skill 1 là. C'est pas insane les dégâts, what the fuck. Alors on va cleanse. Là on va faire un skill 1 ici, on va pas faire un skill 2, je pense pas que ça vaille le coup. Et du coup là on est sûr de crit. C'est ça hein. Et on absorbe la TB, allez go. Ouf, résistance, enfin, il a 113. Bon, au moins on a crit, t'as vu sur le kinky, ça c'est pas mal. Par contre là on va se mettre à 1 HP, proc pas, parfait, on va slip ici. Et là, on devrait quand même mettre des petits dégâts, je pense. On va aller le full focus. Plus destroy. Ouf. Ah, on n'a pas crit. Ben en fait, oui, on n'a pas la condition de... On crit à 100% sur le skill 2, en fait. Bon, juste, on a le tout crit augmenté, mais on l'a pas à 100%. Ok, très bien. Ben, c'est pas grave, on va aller le tuer avec des multi-hit. Voilà. Et normalement, maintenant, on est pas mal. Faire le skill 2. Pas de dégâts. En fait, on n'a pas de dégâts de multi-hit. Ah, il est pas fou en vrai de vrai. Peut-être qu'il faudrait jouer full multi-hit en vrai de vrai. Le skill 3, par contre, il est sûr de crit. 9K. 9K, ok. Pas non plus une folie en vrai de vrai. On va faire skill 2. Regarde le destroy inexistant. Alors on peut mettre du temps à le taper, par contre à le tuer même. Allez, en force numéro 6, on est à nouveau contre cette def. J'ai plus de mob 4 stars à vous proposer là. Du coup, on va y aller avec une petite cleave un peu bête. Hein. La cleave en question, vous la connaissez. La petite Iselia en swift avec des multi-hit à gauche à droite. Le Galion en vidéo. Voilà, dégâts sur light à gauche à droite. Crit et mes skill 2. Et la chaîne light, full knocker. Objectif, cleave. Allez, du coup, c'est lent. Du coup, on va faire beaucoup de dégâts. Il faut juste veiller à mettre les break def. En plus, il y a les slow. On met les break def, normalement, c'est fine. Il faudrait être en wheel sur. On en rate un, bon c'est dommage. On va être en wheel hein, sur l'Aizélien, ce serait mieux. Ouais, ça c'est pas de chance. Du coup on risque de se faire one shot. L'Aizélien qui était notre winning play, winning condition. Non en vrai ça devrait le faire quand même, en vrai de vrai. Faut juste qu'on arrive à tuer ça. Et normalement on va faire ça, on va prendre un break def. Du coup le focus va aller là dessus. J'ai rien dit. Normalement ça devrait être fine. Ah non arrête. Oh non ça aurait pu être fine. Non on va la pas tour si on met le break def c'est fine. Skill 2 on devrait tuer.
Ok, fine. Allez, offense numéro 7. On est contre une Clara, Vigor et Danou à nouveau. On va partir sur une Windy, Jultan et Lulu. Alors Lulu, il faut prendre Rakuni, c'est mieux, je pense. Le Danou va full focus le Jultan. Et évidemment, avec le passif, il va se tuer tout seul. Le truc, c'est que Lulu pourrait prendre le break def du Vigor et du coup, bifurquer l'aggro. Ça peut être embêtant. C'est pour ça que Rakuni est 100 fois meilleur, mais j'en ai plus. Jultan, triple revenge. Réduction light à gauche. Lulu, réduction haut à gauche. Vio Will, quasiment capé en res à droite. Speed en fonction d'HP perdu et le Windy, un vieux destroy, multi-tag gauche à droite. Allez, c'est parti. Nous, évidemment, le full focus va aller sur le Danou. On veut tuer très très vite pour arriver en 2v3. Voilà. Là, je vais juste faire skill 3. Là, je vais me cleanse et mettre surtout l'immunité sur ma Lulu qui est le plus important. Et je vais full taper le Danou. Le Danou est full tank. En fait, c'est quoi? On va changer de plan. Ce que là est full. En fait, il joue que des Danou full tank. T'as vu ou pas? Ils font que ça. Ils jouent full tank justement pour pas mourir contre ce Jultan. Et pourtant, regarde les dégâts qu'il prend. Ok, j'ai quand même dessus. C'est quoi? J'ai quand même dessus. Ok. Je vais quand même dessus. C'est bon. J'ai compris. On va faire ça. On va taper là. On va quand même aller dessus. En fait, il va prendre trop cher. Il va juste mourir trop vite. Pour ça, vaut le coup d'aller sur le Danou. Voilà. Et maintenant, on va aller sur le Vigor. Hein. En vrai, on va sur le Vigor. Hein. Je pense que c'est le mieux. Hein. En vrai, c'est le Vigor. Je pense à tech. On va faire skill 2 juste ici. Protéger le mob important. Hop. Ouais. Ça, le Vigor, bah, il meurt. En plus, il prend les antilles. Là, on peut se cleanse. Notre Eshir. Eshir-moi, Jultan qui a pris quand même cher. Et voilà. Ok, nickel, c'est passé. Allez, offense numéro 8. On est contre une Neftis, Camille, Nora. Et on va tester du coup notre Nobara Vent. C'est pas le meilleur setup pour l'utiliser. Mais néanmoins, il y a quand même le skill 1 de ces deux mobs là qui vont me donner des debuffs. Donc pourquoi pas. Donc j'ai ruiné en Vio Will, bien tanky capé à Q avec juste du multi à gauche à droite pour profiter du skill 2. Dit que son passif, de toute façon, c'est des dégâts X. Et d'ailleurs, c'est 15% des HP max à chaque tour. Donc c'est pour ça que le mob est plutôt pas mal. Et derrière, on a de la sustain. Donc on a un petit Veromos en Vio Nemesis. Réduction haut à gauche. À droite, on a mis de la recovery skill 3. Et une Juno, j'ai mis full tank en vrai, au cas où si la Camille est en full DCC, je veux pas qu'elle se fasse one shot. On destroy Vio avec à gauche réduction haut et à droite un petit peu de multi. Allez, c'est parti. Du coup, on n'aura pas le premier tour normalement. Très très bien. La Nora joue première. Ok, ça met des petits debuffs timides. Et nous, on va aller taper quoi? Bah là, hein, je pense pas le choix. Je crois qu'on prend des bons dégâts quand même, faut faire attention. Là, on va pouvoir planter nos clous. Hop, 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 voilà, on met des taunts. Excellent. Du coup, j'ai pas eu de skill 2, hein. Je vais juste faire un skill 1 ici. Hein. Voilà. Hop, on va mettre des dégâts là. Et du coup, quand on va prendre, elle va prendre son tour, on va mettre des dégâts normalement. C'est ça? Ouais, t'as vu, regarde. Voilà. On a les petits dégâts, ça va pas. Regarde. Oh! T'as vu ou pas? Pas mal, hein? Les dégâts sont bien réduits là déjà. On va. Hop là. Puis directement. Et maintenant, là, on peut replanter des clous. Toc, 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 toc. Ah, ben, on a crit. Mais regarde, vu qu'on a des debuffs, ça va quand même réduire les HP. Excellent. Regarde. Ah, les HP qui se réduisent. Et nous aussi, à des coups. Mais ça réduit les HP de tout le monde. C'est OP, hein. En vrai de vrai, ça réduit les HP de tout le monde. C'est vraiment OP. What the fuck. C'est trop fort. J'aime trop. Chaque fois que tu as un effet néfaste, tu vas réduire les HP de quelqu'un. Non, j'aime trop. Touk 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 touk. Faut juste arruiner full tank, pas besoin de multi, je pense. Allez, offense numéro 9. Bon, on en a marre de cette def. Les gars, j'ai pas de mob collab à proposer. On fait juste une petite cleave, objectif cleave, comme on aime sur cette chaîne YouTube. Bernard, on suit très rapide. Le Galion qui suit. Antocrit, KPAQ à gauche, dégâts sur Dark. Et la petite Julie. Voilà, full dégâts multi à gauche et à droite. Objectif cleave. Si c'est un Chirsuif, on a perdu. Hein. Oh, c'est un Chirsuif, mais il est trop lent. Oh, you are a bit too slow, man. You are too slow for me, man. Ok, ça passe. Allez, dixième, dernière offense. On va tester notre Gojo Feu qu'on a ruiné du coup full locker en Vio Will. Voilà, avec pas mal de DCC. À gauche, on a mis dégâts sur Dark. Et à droite, on a mis du crit damage. Tout ce qui augmente les dégâts sur son skill 2. On a pas mal de ça. Bon, il y a skill 3 là, mais c'est skill 2, comme tu peux le voir. On a Ezio en suivre très rapide. Insira qui joue en second en Desper pour réduire ATB pour que le Gojo puisse jouer. Dégâts des bombes à gauche et à droite. Objectif. Je pense tuer le Zang Zang Lao en premier, puis après derrière on gagne le 2v3. Alors du coup, est-ce qu'on est outspeed? Ah bah c'est anti-cleave, du coup oui, on va strip.
Parfait, on va mettre la bombe là-dessus. On va pas mettre la bombe là-dessus. Bon, bah ok, on va faire skill 3 quand même, pas le choix. Mettre des scènes d'espère. Oh, ça a quand même cut. Ok, bon. Combien de dégâts on met? Bon, on crit 29 000. Oh, on l'a one shot. What the fuck? Ok, bon, bah on va se protéger soi-même. Et là, du coup, on a le passif activé. Combien on met? Un petit skill 1. 19k, très bien. Oh, les dégâts qu'il a mis, c'est incroyable. J'aime trop. Alors du coup, tu vois qu'on prend quand même les dégâts. Ça, c'est intéressant comme data. Mais du coup, est-ce que notre passif est désactivé ou pas? Bon, bah visiblement, oui, on est stun. Ok. On a les solos. En vrai, on peut la perdre ou pas? Non, on perd pas ça. Impossible. Non. On va mettre une bombe avec la Syrah et c'est bon, non? Là, on peut se rip en plus, boost ATB. Voilà. Bon, bon cher. Hein. On va mettre la bombe là-dessus. On y arrive cette fois-ci. Parfait. Et normalement, à partir de là, on est pas mal. On va se protéger. Très bien. Attends, mais les dégâts du Gojo, t'as vu ou pas? C'est n'importe quoi. Incroyable. Bon, là, on n'a pas le passif activé. Est-ce qu'on s'est fait taper? Du coup, combien on va mettre? Bon, on n'a même pas l'avantage élémentaire. Par contre, si on proc est violent ici, on avait l'avantage élémentaire. Attends, je vais pas faire péter la bombe. Je vais juste voir pour que je... si je peux taper. Hein. Je vois avant. Ah, bah, il meurt de la bombe. Ok, bon. Bon, allez, bah 9 sur 10. Je me suis bien amusé. En vrai, peu importe le score, on s'est régalé dans cette vidéo. En tout cas, moi, j'espère que je t'ai régalé. Moi, j'ai kiffé tester ces nouveaux mobs. En vrai, il y a pas mal de mobs qui ont des potentiels assez sympas. Il y a quand même un petit peu encore à creuser, surtout pour Itadori Light, qui a pas été très, très brillant, surtout la première offense. Je pensais que ce serait bien contre Vritra au final. Pas du tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, ben n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et ciao, ciao, les potes. C'était Tito.